Bonjour, j'espère que tout le monde va bien malgré le confinement. Aujourd'hui, je vous propose d'effectuer un circuit training sous forme de Tabata pour brûler le maximum de calories sur un temps réduit. Ce Tabata consistera à effectuer 8 exercices, en ayant 20 secondes de travail et 10 secondes de pause entre chaque exercice. Vous effectuerez 3 tours en prenant une minute de repos entre chaque tour. Voici les exercices présentés, ainsi que leurs variations. Premier exercice de cette série, Jumping Jack. J'ouvre les pieds pour former un A et je reviens pour former un I en collant mes deux mains contre mes cuisses. Variation, j'envoie sur l'avant, je fléchis les jambes, talons bien ancrés au sol et j'ouvre. Voici pour la variation. Deuxième exercice, montée de genoux. J'envoie bien les jambes haut, les genoux qui montent haut vers la poitrine et les mains opposées, on envoie sur le côté. Deuxième variation, envoi de genoux sur les côtés alignés latéral, on alterne, une et deux. Troisième exercice, squat sauté. Talons bien ancrés, je me grandis, regard fixe en avant, je propulse sur les pointes de pied et j'envoie avec les bras pour m'aider. J'envoie vraiment et j'envoie le plus possible. Variation, squat. Si jamais ça ne va pas, je réduis l'amplitude sur le squat, auquel cas, j'essaye de rester à 90 degrés lors de la descente. Quatrième exercice, burpees. Je saute comme pour le squat sauté et je reviens doucement pour me positionner en position de pompe, toucher ma poitrine le plus bas possible, poitrine au sol si je le peux, et revenir en squat et propulser. Variation, j'effectue le même mouvement mais décomposé, je prends beaucoup plus mon temps, et si je le souhaite, je peux éliminer la pompe ou alors je reste en planche, en gainage, lors de la descente. Voilà, gardez bien un alignement avec la tête. Cinquième exercice, gainage, je forme une planche, je reste bien statique, voilà. Fessiers serrés, abdos contractés, je me gaine, je regarde entre mes deux mains, un alignement parfait entre la nuque, la tête, le dos. Variation si jamais ça ne va pas, je passe sur les genoux et je reste toujours gainé, je forme toujours ma planche. Sixième exercice, mountain climber. Je garde cette position de planche et j'envoie mes genoux droit devant et rapide. Voilà, en formant une petite propulsion sur pointe de pied. Si jamais ça ne va pas, faites-le en alterné doucement. Voilà, prenez votre temps. N'envoyez pas trop vite. Septième exercice, pompe. On peut effectuer soit des pompes larges, soit des pompes triceps ou diamants, comme vous le souhaitez. L'important, c'est de toucher le plus bas possible. Variation, si jamais ça ne va pas, je pose les genoux et je descends en pompe. Dernier exercice, le huitième, front kick. On envoie avec les bras pour faire monter le cardio une dernière fois sur ce tour. Variation, si jamais ça ne va pas, je me pose, je fais plus lentement le mouvement en alterné, je prends mon temps. Une fois les 8 exercices effectués, n'oubliez pas de prendre une minute de pause entre chaque tour. Voilà, hydratez-vous, récupérez bien, marchez un peu pour mieux attaquer le deuxième et troisième tour. En attendant, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo ainsi que cette séance. Je vous invite à donner votre avis en commentaire sur la séance et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.